Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Saint-Félicien en ce lundi 13 janvier 2014. Selon notre usage, quelques instants de réflexion pour nous aider à faire une bonne séance de travail. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Mon Père, tu fais ce Saint-Esprit, soit-il. Bienvenue tout le monde. Alors, maintenant, pour nous guider dans cette soirée de travail, j'aimerais que vous nous proposiez un ordre du jour. Oui, M. le maire. Donc, premier item, prière et ouverture de la séance. Deux, lecture et acceptation de l'ordre du jour. Trois, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre 2013 et de la séance extraordinaire du 16 décembre 2013. Quatre, suite au procès-verbaux. Cinq, nomination d'un représentant au conseil d'administration du Centre de conservation de la biodiversité boréale. 6. Renouvellement de mandat de Mme Édith Pelletier au comité consultatif d'urbanisme. 7. Renouvellement de mandat de M. Luc Guilmette au comité consultatif d'urbanisme. 8. Embauche greffière, remplacement, congé de maternité. 9. Ratification du personnel hiver 2014, service des loisirs et de la culture. 10. Désignation de représentants, demande de permis de réunion, régie des alcools, des courses et des jeux. 11. Adjudication d'une émission d'obligation de 3 538 000 au 28 janvier 2014. 12. Modification de divers règlements concordance pour l'émission du 28 janvier 2014. 13. Modification de divers règlements fixation d'un terme plus court que celui prévu dans certains règlements. 14. Prolongation du terme original d'un emprunt de 1 809 000 25 novembre 2013. 15. Achats en commun d'assurance de dommages et de services de consultants et de gestionnaires de risque 2013-2019, autorisation de signer. 16. Décision sur une demande de dérogation mineure concernant le 1195 rue des Cèdres. 17. Décision sur une demande de dérogation mineure concernant le 1400 boulevard industriel. 18. Décision sur une demande de dérogation mineure concernant le 1144 rue Anne-Hébert. 19. Autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, communément appelés les PIA, au 1095 boulevard Sacré-Cœur. 20. Adoption de la liste des dépenses préautorisées pour l'année 2014. Monsieur le maire, on va faire la correction. Oui. 21. Dépôt pour acceptation procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 25 septembre 2013. 22. Dépôt selon l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, certificat d'enregistrement, règlement 13-854, décrétant des dépenses de 5 283 450 et un emprunt de 3 523 540 en vue de la réfection de la marina du secteur Saint-Félicien du quai municipal. 23, convention pour l'exploitation d'un système local de gestion automatisée de bibliothèque, autorisation de signer. 24, acceptation du plan de cadastre préparé par M. Danny Renault, arpenteur géomètre, sous la minute 41-56 dans le secteur du parc industriel, autorisation de signer. 25, renouvellement de bail, Société immobilière Alcan Limitée, marina du secteur Saint-Félicien, autorisation de signer. 26, adjudication de contrat, fourniture et installation d'un système de quai flottant en aluminium, marina de Saint-Félicien, Remac Innovation Industrielle, 421 958 $ et 25 sous, taxes incluses. 27, adjudication de contrat entretien des ascenseurs à Otis Canada, 15 172 $ et 29 sous, taxes incluses. 28, adjudication de contrat entretien de logiciels d'application municipale, ACO Solutions, 28 630 $ et 37 $ plus taxes. 29, adjudication de contrat entretien de logiciels d'application municipale, COBA, 9 000 $ plus taxes. 30, adjudication de contrat entretien de logiciels d'application municipale, PG Solutions, 20 290 $ plus taxes. 31, demande de partenariat pour les années 2014, 2015 et 2016, Carrefour Jeunesse Emploi, Comté Robertval, 3 000 $ autorisation de payer. 32, dépôt rapport des dépenses des commissions selon le règlement 01-539. 33, dépôt rapport des dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 01-539. 34, autorisation de payer divers comptes. 35, renouvellement assurance responsabilité Toboski, 17 689 $ taxes incluses, autorisation de payer. 36, libération de retenue de garantie, pavage, chemin de la Pointe, chemin du Lac et chemin du Héron Bleu. Pavex limité, 18 650 $ et 95 sous, taxes incluses. 37, décompte progressif numéro 2, final.
Pavage chemin du Héron Bleu, 8 262,98 $, taxes incluses. 38, adoption règlement 13-856, modifiant le plan d'urbanisme 03-599 en vue de permettre la construction de moyenne et de forte densité dans une partie du centre-ville. 39, adoption règlement 13-857, modifiant le règlement de zonage 03-600 en vue de modifier diverses dispositions applicables à la zone 147-CV. 40, avis de motion. 41, période de questions. 42, intervention des membres du conseil. 43, levée de la réunion. Alors, merci. Alors, dans l'ordre, j'accepterai une proposition pour accepter M. Jérôme. M. Bouchard, merci. Item 3, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre 2013 et de la séance extraordinaire du 16 décembre 2013. Vous avez eu en main les documents. J'en aurais pris connaissance. Pris connaissance, M. Le maire. Je vais en faire la proposition. M. Boivin. Oui, bonne, vous avez oublié ça. Oui, j'ai lu ça. Item 4, suite au procès-verbaux, M. Ménard. Aucune suite enregistrée, M. Ménard. Aucune suite. Item 5, nomination d'un représentant au conseil d'administration du Centre de conservation de la biodiversité Boréal, le CCBB, ou communément appelé le ZOO. Oui, M. le maire, en fait, depuis déjà fort longtemps. C'est toujours le maire, je pense, qui siège à ce niveau-là. Et c'est des mandats confiés d'année en année, donc c'était encore une fois pour renouveler officiellement ce mandat-là. Au début d'une saison. Alors, une proposition pour la nomination, M. Alexandre, M. Guibon, vous allez appuyer ça. Oui. Même salaire? Même chose. Okay. Indexé 3%. Ben, écoutez, peut-être avec la fin, avec le départ de M. Gagnon, je pense que le projet doit se continuer. Hein, il faut demeurer très actif, très près de l'organisation. Je pense qu'on va vivre une autre phase de développement là, au cours de la prochaine année qui va se mettre en place. Alors, je pense que c'est important. Comme la Ville a toujours été près de son organisation, je pense, depuis 53 ans, maintenant 54 ans, puisqu'il a toujours été le partenaire de premier plan. Puis le ZOO, comme organisation en passant, puis celui qui l'oublie souvent, je suis obligé de le rappeler, bénéficie d'un crédit de taxe permanent depuis 53 ans, 54 ans, qui n'est pas négligeable là, pour le support à l'industrie touristique. Item 6, renouvellement de mandat de Mme Edith Pelletier au comité consultatif d'urbanisme. M. Ménard. Oui, M. le maire, en fait, ce serait un deuxième mandat de 2 ans. Et sur une possibilité, on se rappelle, de 3 mandats au total. Et c'est un mandat que Mme Pelletier accepterait, là, si le conseil veut lui confier. D'accord. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Alors, Mme Boudreau, M. Boivin, vous allez appuyer. Item 7 encore, renouvellement de mandat de M. Luc Guilmette au comité consultatif d'urbanisme. Oui, M. le maire. Oui. Cette fois-ci, donc, un troisième et dernier mandat pour le CCU. Alors, une proposition, M. Bouchard, M. Simard, vous allez appuyer. Item 8, embauche greffière dans le cadre du remplacement du congé de maternité de Maître Ménard. Alors, M. Larose, vous allez nous... Oui, M. le maire, comme vous pouvez le constater, notre greffière va prendre congé pendant un certain temps. Pas nécessairement assise. Donc, pour cette raison, compte tenu du congé de maternité de notre greffière, nous avons effectivement fait un concours externe pour trouver son remplaçant suite à la rencontre des candidats qui a eu lieu la semaine dernière et du comité formé par moi, M. Ménard et Maître Ménard aussi. Donc, nous sommes arrivés à un consensus et nous vous proposons l'embauche de Mme Stéphanie Tremblay comme greffière pour une période de 14 mois du 3 février 2014 au 3 avril 2015 selon la politique des cadres. Donc, ce sera une classe 7 et à l'échelon 1. Donc, je vous demande de bien vouloir faire la recommandation. Je vous demande de bien vouloir adopter notre recommandation. Là, je t'ai rendu des règlements. D'accord. Alors, une proposition pour accepter cette recommandation-là, M. Boivin, M. Bouchard, vous allez appuyer. Item 9, ratification du personnel hiver 2014, service des loisirs et de la culture. M. Larose.
le rôle de ce que vous êtes d'attaque. Ah, OK, oh, oui, c'est la situation normale oui. pour les services des loisirs, culture et vie communautaire. C'est nos étudiants, donc nous avons reçu rapport du service des loisirs, donc je vous en fais la recommandation. D'accord, alors une proposition pour la fille, Mme Boudreau, M. Paradis. Merci. Item 10, désignation de représentants dans le cadre des demandes de permis de réunion à la Régie des alcools, les courses et jeux du Québec. Maintenant, c'est une procédure... Juste pour faire... On a certaines demandes là, de permis de réunion qui sont adressées constamment là, par les citoyens ou par divers organismes. Donc, il y avait seulement moi qui étais signataire. Donc, pour améliorer le service à la clientèle, là, si je puis m'exprimer ainsi... On procédera à la nomination de 5 représentants, de 5 cadres de la ville. Donc, entre autres, il y aurait moi-même, M. Larose, M. Danny Coudé, également Mme Suzanne Saint-Laurent, Mme Joanne Laprise. Donc, nécessairement, les gens n'auraient pas l'obligation de venir au troisième étage. Là, seraient capables de recevoir ce service-là au rez-de-chaussée. Et par la suite, au pire, il y aura toujours quelqu'un de présent dans l'hôtel de ville. D'accord. M. Guimond, oui, je suis d'accord avec ça. M. Paradis, de l'appuyer ça. C'est OK. Item 11, adjudication d'une émission d'obligation de $3,538,000 le 28 janvier 2014. Alors, notre trésorier, M. Coudet, est avec nous. Vous allez nous expliquer un peu de quoi il s'agit. M. le maire, je peux parler des points 11, 12, 13 et 14. Puisqu'il concerne là, cette même émission d'obligation. Donc, c'est une émission d'obligation pour un montant de $3,538,000 en date du 28 février 2014. Ça concerne les travaux qui ont été faits là, au courant de l'été dernier, au courant de l'année dernière. Donc, on a du nouvel argent pour $3,057,000 et également le refinancement là, d'une obligation là, qui était à terme là, depuis le 25 décembre 2013. Donc, de $481,000 pour un total de $3,538,000. Cette émission-là est pour une durée de 5 ans, donc comme toutes les émissions, c'est le ministère des Finances qui s'occupe là, d'aller en appel d'offres et de nous recommander le soumissionnaire le plus bas. Dans ce cas-ci, il y a quatre institutions financières là, qui ont soumissionné, le plus bas étant Mackey Research Capital Corporation, donc, pour un taux moyen de 2,3866%. Donc, c'est le plus bas soumissionnaire qui nous est recommandé par le ministère des Finances. Donc, je vous fais cette recommandation-là pour cette émission-là pour une durée de 5 ans. Je peux parler tout de suite des autres, oui. Le 12, modification de divers règlements concordance pour l'émission du 28 janvier 2014. C'est tout simplement que cette émission-là concerne plusieurs règlements là, de travaux là, qui avaient été acceptés dans le temps, donc au fil des dernières années. Dans ces règlements-là, on ne prévoit pas de date de financement, de premier financement, étant donné que là, on a une date là, qui est le 28 janvier pour le financement là, des dépenses qui sont faites jusqu'à maintenant. Donc, c'est cette modification-là pour donner la concordance là, que l'émission est du 28 janvier 2014. En 13, vous avez modification de divers règlements également, fixation d'un terme plus court que celui prévu dans certains règlements. Encore une fois, quand on vote nos règlements, on les vote pour une durée de 10 ans, de 15 ans ou de 20 ans, mais on finance tout le temps seulement 5 années à la fois. Donc, étant donné que là, on fait cette émission d'obligation-là et on la finance pour 5 ans, on doit modifier les règlements en conséquence pour dire que c'est 5 ans seulement. Puis ceux qui sont pour 10, 15 ou 20 ans, ben, on va refinancer là, après 5 ans. Le ministère ne nous permet pas de financer immédiatement pour 10 ans, 15 ans ou 20 ans. C'est tout le temps 5 années à la fois. Puis la dernière, la 14, prolongation d'un terme original d'un emprunt de 1 809 025 novembre 2013. Donc, c'était celle-là d'il y a 5 ans qui était à échéance le 25 novembre dernier. Elle était à l'origine d'un 1 809 000. Le solde qui restait là, à financer, donc à payer, de 481 000. Donc, on refinance ce solde-là pour une période là, de 5 ans. Étant donné là, qu'on n'avait pas l'argent, bien, que le financement n'était pas
n'était pas disponible le 25 novembre, seulement le 28 janvier, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il faut parler d'une prolongation d'un terme original. Donc, ça a été 5 ans plus un mois environ. Là. D'accord. Alors, dans l'ordre, après, avec l'explication qui vient d'être donnée, qu'on a discuté également en plénière, on va procéder aux résolutions formelles. Alors, en 11, adjudication d'une émission d'obligation de 3 538 000 pour le 28 janvier 2014, tel que négocié puis présenté devant nous ce soir. Alors, une proposition pour accepter ça, M. Boivin, M. Bouchard, vous allez appuyer. Item 12, modification de divers règlements. Concordance pour l'émission du 28 janvier 2014, qui nous a été expliquée par M. Coudet tout à l'heure. Une proposition, M. Jérôme, M. Simard, Mme Boudreau, vous allez appuyer. En 13, modification cette fois de divers règlements, fixation d'un terme plus court que celui prévu dans certains règlements, avec l'explication qui nous a été donnée. M. Paradis, M. Gibbons, oui. Vous allez appuyer. Et en 14, prolongation du terme original d'un emprunt de 1 809 000 $ au 25 novembre, prix négocié au 25 novembre 2013. Prolongation du terme, Mme Boudreau, M. Paradis. Merci. Item 15, achat en commun d'assurance de dommages et de services de consultants et de gestionnaires de risque 2013 à 2019, autorisation de signer. M. Ménard. En fait, c'était les dossiers d'assurance. Là. Peut-être que M. Larose a plus d'informations. Une petite erreur qui s'était glissée. Oui. C'est une technicalité, M. le maire. Il y a eu une erreur par l'UMQ concernant la date de la durée de nos contrats d'assurance avec notre consultant. Eux autres avaient indiqué de 2013 à 2018, mais les dates exactes sont du 1er mai 2014 au 30 avril 2019. Fait que vous corrigez votre résolution? C'est de corriger notre résolution. OK. Alors, une résolution pour corriger la résolution. Oui. Ou abroger. Des corrections, je vais proposer ça, M. Boivin. On va faire la correction, M. le maire, ouais. Et puis on va abroger l'ancienne résolution, par contre. L'autre résolution n'aura plus lieu d'être. On va la reprendre tout simplement dans son entier avec les correctifs suggérés par le MMQ. Vous allez le faire en même temps? Oui, je vais toutes les, okay. je vais toutes les reprendre, les systèmes. La même résolution qu'on prendra ça? Oui, exactement, plus l'abrogation de l'ancienne. OK. Parfait. Vous savez que vous en avez annulé une pour... Oui. C'est parce que quand on fait des recherches par la suite, on voit que l'ancienne résolution a été abrogée. Sous donc, la même proposition. Okay. Exactement. Okay. 16. Décision sur une demande de dérogation mineure concernant le 1195 du décès, M. Ménard. Oui, M. le maire, une demande qui concerne la marge latérale gauche du bâtiment principal. La marge prescrite étant de 2 mètres et la marge demandée étant de 1,5 mètre. C'est pour objectif d'obtenir des titres clairs en vue d'une transaction. On retrouve aussi, il est fait mention qu'on retrouve 2 bâtiments accessoires qui sont non conformes et qui devront être déplacés là, pour assurer leur conformité. Compte tenu de ce commentaire-là, le CCU en recommande l'acceptation. D'accord. Alors, une proposition, Mme Boudreau, oui. M. Paradis, vous allez appuyer. Item 17, décision sur une demande de dérogation mineure concernant le 1400 boulevard industriel. Oui, M. le maire, en fait, concernant les industries Belco, c'est concernant la marge latérale gauche en vue d'un agrandissement du bâtiment complémentaire. On mentionne une marge prescrite de 4,5 mètres au règlement, alors que la marge demandée est de 1,40 mètres. La présente demande est pour effectuer et obtenir un permis de construction pour un agrandissement de 35 pieds par 60 pieds au bâtiment existant. Vous voyez un peu sur le plan d'ensemble les croquis de l'aménagement proposé. C'est en fait de respecter l'axe d'un ancien bâtiment de service existant pour la compatibilité des portes, entre autres. Et compte tenu de ces commentaires-là, le CCU vous recommande l'acceptation également. Propos, M. le maire. Oui. M. Gibbons. Moi aussi, moi. M. Simard, vous appuyez. Merci. Item 18, décision sur une demande de dérogation mineure concernant le 1144 rue Anne-Hébert. Oui, M. le maire, dans ce cas-ci, il s'agit d'un terrain de coin de rue. Ça concerne la deuxième marge avant, la marge prescrite étant de 6 mètres et la marge demandée de 4,63 mètres.
La demande a pour but d'obtenir, encore une fois, des titres clairs en vue d'une transaction. Et après analyse, c'est également recommandé par le CCE. En proposition pour accepter, M. Paradis, Mme Boudreau. Thème 19. Autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, au 1095 boulevard Saint-Grégoire. Oui, M. le maire, dans ce cas-ci, consiste à installer une enseigne sur potence pour l'immeuble en question. La potence est reconnue conforme aux critères. Le dossier est similaire à un projet précédent d'enseigne qui avait déjà été accepté. Donc, ce projet est trouvé conforme et recommandable. C'est les mêmes attaches, en fait. Oui, des attaches existantes déjà en place. C'est des attaches existantes. Avec un panneau dans les mêmes dimensions que ce qu'il y avait dans le temps. Qui ont déjà été acceptés. Oui, exactement. Okay. Moi, je t'enlève avec position. Ça. Oui. Madame Boudreau, vous allez appuyer. Thème 20, adoption de la liste de dépenses pré-autorisée pour l'année 2014. Oui. Est-ce que M. Coudet nous donnerait des précisions là-dessus? Donc, on a adopté le budget l'automne dernier, au mois de décembre dernier. C'est un budget pour l'année 2014. Maintenant, pour nous autoriser à dépenser, on a certaines dépenses là, où on ne demandera pas de résolution pour faire les paiements, où on n'ira pas avec des ordres d'achat pour faire les paiements. Donc, c'est ce qu'on appelle des dépenses préautorisées. Au niveau de ces dépenses-là, les principales catégories, vous avez les salaires, bien sûr, selon les conventions collectives, les bénéfices marginaux. Vous avez certains contrats au niveau de l'huile à chauffage, du gaz naturel, de l'essence, du diesel, les graisses, les contrats de conciergerie ou également de déneigement. Ensuite, toutes les dépenses au niveau du service de la dette. Donc, c'est des préautorisations aussi également au niveau des dépenses du service de la dette. Les montants qu'on verse au niveau des corporations également. Les services tarifés, c'est une catégorie où là-dedans, on a le téléphone, Internet, l'électricité, les frais de poste et de messagerie. Ensuite, on a diverses subventions qui ont déjà fait l'objet là, de résolutions dans le passé, qui sont sur plusieurs années. Donc, ces subventions-là, on demande là, de les préautoriser également. Donc, on n'aura pas à vous revenir pour vous demander de les autoriser durant l'année. Certaines affectations, entre autres pour la provision, pour la vidange des boues et les remboursements au niveau du fonds de roulement. C'est un peu comme le service de la dette. Nos cotes-parts au niveau de la MRC, de l'Office municipal d'habitation, transport adapté, également de la SDC. Et en outre, on a une catégorie divers où là-dedans, on a l'immatriculation des véhicules, les honoraires de vérification et des locations de salles, là, entre autres pour les protocoles qu'on a avec les Chevaliers de Colomb et l'Hôtel du Jardin. Tout ça est pour un total là, de 11 762 168 $. Donc, c'est une résolution globale là, qu'on passe en début d'année pour préautoriser là, ces dépenses-là au courant de l'année. Alors, une proposition pour procéder dans ce sens-là, Mme Boudreau, M. Paradis, pour appuyer, merci. Item 21, dépôt pour acceptation, procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 25 septembre 2013. On a pris connaissance et tous les actes du CCU avec le rapport de l'inspecteur en chef. Tout est conforme. Même proposition. Proposé, M. le maire. Oui, M. Boivin, M. Bouchard. Item 22, dépôt selon l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Certificat d'enregistrement, règlement 13854, décrétant des dépenses de 5 283 450 et un emprunt de 3 023 540 en vue de la réfection de la marina du secteur de Saint-Vélicien et du quai municipal. Mme Lenard? Oui, donc avant les fêtes, le 17 décembre dernier, entre 9h et 19h, s'est tenu le registre, là, conformément à la loi, donc sur le règlement là, d'emprunt qui vous est mentionné. Sur 7255 personnes habiles à voter, 500 demandes étaient requises pour faire l'objet d'un référendum. Une seule demande a été déposée, a été inscrite à notre registre. Donc, compte tenu du résultat, le règlement 13854 décrétant des dépenses de 5 283 450 $ et un emprunt de 3 023 540
en vue de la réfection de la marina du secteur Saint-Félicien du quai municipal est réputée approuvée par les personnes habiles à voter de la ville de Saint-Félicien. Alors, une proposition pour recevoir par état et fait de ce dépôt, M. Paradis, Mme Boudreau. Item 23, convention pour l'exploitation d'un système local de gestion automatisée de bibliothèque, autorisation de signer, M. Ménard. Oui, M. le maire, en fait, c'est un dossier qui revient, c'est le renouvellement d'une convention déjà existante avec le CRSBP, c'est pour la bibliothèque de Saint-Félicien. C'est une entente qui couvre le système automatisé pour la gestion des prêts et les échanges interbibliothèques. On nous mentionne qu'il y a eu un petit ajustement au niveau des frais annuels. On parle de 6 189,81 pour l'entretien du logiciel et aussi on parle de 5 483,07 pour l'hébergement de la banque de données et les services d'accompagnement du CRSBP. La durée de l'entente à compter de la signature au 31 mai 2017, renouvelable par période de 5 ans. Et on nous précise de nommer la responsable au niveau des opérations, en l'occurrence, qui serait Mme Joanne Leprise. Et également, peut-être, de préciser un membre du conseil pour assister à l'Assemblée générale. Je pense que selon les interprétations, il avait été discuté de M. Boivin. Effectivement. Donc, ça prend une résolution pour confirmer le tout. Je propose Mme Leprise et M. Boivin. M. Boivin, M. Gibbons, M. Paradis, vous allez appuyer ça. Oui, le renouvellement de la convention. Le renouvellement de la convention en même temps, OK. Oui. Item 24, acceptation du plan de cadastre préparé par M. Daniel Renaud, arpenteur Germain, sur la minute 41-56, secteur parc industriel, autorisation de signer. M. Ménard, de quoi? Oui, en fait, il s'agit d'un terrain sur la rue Véro en vue de passer une future transaction. Il est situé à l'intersection directement du boulevard Amel et rue Véro. Donc, c'est l'acceptation du plan de cadastre en tant que tel. Alors, c'est du morcellement qu'on a fait de terrain de cadastre. D'un terrain existant. Un terrain existant. Oui. D'accord. Alors, une proposition pour accepter ce cadastre-là. Mme Boudreau, M. Paradis. Item 25, renouvellement de bail, Société immobilière Alcan Limité, Marina du secteur de Saint-Félicien, autorisation de signer, M. Ménard. Oui, M. le maire. En fait, notre projet de Marina, vous savez, une partie du projet est sur une partie du terrain propriété de la Société immobilière Alcan. Et le MAMRO, afin de conclure le protocole, nous demande de conclure un bail nouveau avec, justement, Alcan pour une durée de 20 ans. C'est des baux non conventionnels, on a dû négocier un peu, mais c'est l'objet de la présente conclusion, le protocole qu'on vous propose, le bail. On parle d'une superficie de 956 mètres carrés pour un coût de 0 $, mais il faut effectivement assumer les frais de notaire et d'arpenteur. Oui. Propos, M. le maire. Oui, je vais être à l'aise avec ça, M. Gibbon. Oui. M. Boivin, allez appuyer. Item 26, adjudication de contrat, fourniture et installation d'un système de quai flottant en aluminium dans le cadre du projet de Marina de Saint-Félicien, à REMAC Innovation Industrielle, au montant de 421 958,25 taxes incluses. M. Ménard, oui, M. le maire, toujours notre dossier de Marina, donc un appel d'offres public pour la fourniture des quais, tel que le rapport présenté par le service technique. 5 soumissions reçues après vérification et extension et correction au niveau des taxes principalement. Nous recommandons le plus bas conforme soit REMAC, au montant de 421 958,25 taxes incluses. On mentionne que le contrat doit être conditionnel, par contre, à l'acceptation du règlement d'emploi. Et peut-être de préciser aussi que les enveloppes pour les travaux d'ingénierie pour la production des dessins d'atelier seraient payables à même le surplus accumulé, alors que la fabrication des quais serait payable sur le règlement en tant que tel. Donc, c'est une recommandation que vous avez faite. Alors, une proposition pour adjuger ce contrat-là dans la forme... M. Bouchard, M. Boivin, un appuyé, merci. Item 27, adjudication de contrat entretien des ascenseurs à Otis Canada au montant de 15 172,29 taxes incluses. Oui, M. le maire, cette fois-ci, c'est une recommandation du service des travaux publics de renouveler un contrat. On sait que Otis Canada fait l'entretien quand même depuis plusieurs années des ascenseurs. On parle des 3 ascenseurs suivants, celui de l'Hôtel de Ville, de l'édifice Bon Conseil et du Centre récréatif
pour un montant total de 15 172,29. Et la recommandation est aussi à l'effet que ça représente une majoration de pas tout à fait 2,5% par rapport au montant de l'an dernier. On parle de 3 contrats, mais de 4 ascenseurs. Hein? Oui, en fait, oui. Hôtel de Ville, il y a 2 ascenseurs. OK, alors une proposition, M. Bouchard, M. Boivin. Thème 28, adjudication de contrat, cette fois entretien de logiciel d'application municipale à ACO Solutions, 28 630,37 plus taxes. M. Coudé, un petit commentaire là-dessus. Oui, il s'agit du contrat pour les mises à jour et le support là, pour divers logiciels d'application municipale. Dans le premier cas, l'item 28, c'est les logiciels de comptabilité, taxation, perception, la cour municipale, également le logiciel de plainte et requête là, au niveau des travaux publics. Donc, le montant pour l'année 2014 est de 28 630,37 plus taxes. Il était de 29 187,59 l'année dernière plus taxes. Donc, c'est une diminution là, de 557,22 $. Donc, je vous en fais la recommandation. Alors, une proposition pour… De proposer, oui. Oui, M. Simard, M. Boivin, on va appuyer. Thème 29, adjudication de contrat, cette fois, entretien de logiciel d'application municipale à COBA, 9 000 $ plus taxes. COBA est notre logiciel de paye et gestion des ressources humaines. Donc, c'est le coût du logiciel, c'est encore le contrat pour l'entretien, donc les mises à jour et le support. Le coût pour 2014, 9 000 $ plus taxes, il était de 8 600 $ plus taxes l'an dernier. Donc, 400 $ de plus, ça représente 4,6% d'augmentation. Je vous en fais la recommandation. Proposition. M. Simard, vous êtes toujours partant? Oui. Ce genre d'outil-là, Mme Boudreau, c'est vos cas. C'est nécessaire, c'est un mal nécessaire. Item 30, adjudication de contrat, entretien de logiciel, encore là, d'application municipale, à PG Solutions, montant de 20 290 plus taxes. Le dernier, M. Coudé. Oui, PG Solutions, ça concerne les logiciels principalement du département de l'urbanisme et du développement. Donc, les logiciels de gestion de permis, gestion de la carte, permis en ligne également, et aussi un logiciel pour le service incendie. Donc, pour la gestion des sinistres, il s'appelle gestion des sinistres, mesures d'urgence. Donc, le coût total de ces différentes applications-là va être de 20 190 plus taxes, comparativement à 19 565 pour 2013. C'est une augmentation de 595 $, soit 3% d'augmentation. Vous avez dit 20 190 ou 2,90? 20 190. Moi, j'ai 2,90. Ouais, nous, on a 20 290. Oh, je vais faire la vérification. Vous m'avez 20 190. On a 2,90. Ah. Alors, c'est vous qui avez raison, comme toujours. Je vais vous le dire, je pense que j'ai le… Sur ton mémo, c'est 190. 190 sur mon mémo. Le mémo, c'est 190, mais dans le jour. Donc, c'est le montant du mémo. Dans jour qu'il y a l'erreur. OK, alors c'est 20 190. Moi, je lisais le mémo, c'est pour ça. OK. Je cherchais 290. Alors, une proposition, M. Boivin, M. Simard va appuyer cette fois. Item 31, demande de partenariat année 2014, 15 et 16 à Carrefour Jeunesse Emploi du comté Robertval, 3 000 $ par année, autorisation de payer. Petit détail. En fait, tout est conformément aux discussions qu'il y avait eues. Je sais qu'il y avait eu une demande pour une planification financière sur un horizon un peu plus éloigné. C'est pour ça qu'il demandait qu'un engagement soit pris pour 3 ans. On parle des années 2014, 15 et 16 à raison du 3 000 par année. OK. Selon la discussion. Selon la discussion de la commission. C'est per capita, ça? C'est une… Je pense que c'est un forfait. C'est forfaitaire. Oui, c'est forfaitaire. Oui. Ouais. Alors, okay. Une proposition, Mme Boudreau, vous en faites la proposition. M. Paradis, vous allez appuyer. Item 32, dépôt, rapport de dépenses des commissions selon le règlement 01-539 au montant de 10 540. Vous en avez pris connaissance, ces différents items. Vous êtes à l'aise avec ça. Alors, une proposition. Acceptez M. Boivin, M. Bouchard. Appuyez.
Item 33, dépôt rapport des dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 01-539 au montant de 321 460 et 56. Levé la ventilation, vous en avez pris connaissance selon l'évolution des budgets. Alors, une proposition pour accepter le dépôt du suivi des dépenses, du rapport des dépenses, M. Paradis, M. Gibbons. Oui. Item 34, autorisation de payer divers comptes au montant d'un cumulatif de 45 624 et 61 sous. Services, différents services professionnels, différents comptes, participation, des budgets, des projets spéciaux que vous avez en main. Alors, une proposition pour payer ces différents comptes-là. Monsieur Paradis, Mme Boudreau. Item 35, renouvellement assurance responsabilité Tobouski au montant de 17 689, taxes incluses, autorisation de payer. De la Rose, du détail? Non, c'est nécessaire, c'est un petit non, risque à part. Non, c'est juste pour la piste de ski, c'est pour le Tobouski, c'est des assurances qui font part du regroupement. Ouais. Le regroupement n'a pas les assureurs pour le risque, donc on fait affaire avec l'extérieur. Donc, c'est simplement pour une assurance pour l'utilisation des pistes de ski de notre clientèle. Donc, c'est au montant de 17 689 $. Donc, je vous en fais la recommandation. D'accord. Alors, proposition, Mme Boudreau, M. Bouchard. Item 36, libération de retenue de garantie dans le cas de pavage du chemin de la Pointe et chemin du Lac et chemin du Héron-Bleu également, à Pavex Limité, au montant de 18 650 $ et 95 $, taxes incluses. M. Menard. Oui, M. Maire, dans le secteur de villégiature, c'est des travaux qui ont été réalisés depuis un an déjà. Donc, comme convenu dans la convention, après un an, sans vice majeur, on se doit de libérer la retenue de garantie. Qui est de ce montant-là. Alors, on ferme ce dossier-là. Une proposition, oui. M. Bouchard, M. Boivin. Item 37, décompte progressif numéro 2, final, pavage, chemin du Héron-Bleu, 8 262,98 $, taxes incluses. Oui, M. Bert, donc, les travaux de cette année, à la terminaison des travaux, la deuxième tranche de paiement, et évidemment, il va rester la retenue là, à libérer l'an prochain. L'an prochain. Oui. Alors, une proposition, Mme Boudreau, M. Oui. Gibbons. Item 38, adoption, règlement 13-856, modifiant le plan d'urbanisme 03-599 en vue de permettre la construction de moyenne et de forte densité dans une partie du centre-ville. Vous avez eu en main copie des règlements, vous en avez pris connaissance. Oui. Il s'agirait de me le signifier spontanément, oui. Ouvertement. Oui. Vous l'avez étudié, vous l'avez eu en main, oui. Vous êtes à l'aise avec ça. Alors, une proposition pour adopter ce règlement-là, M. Boivin. Monsieur Bouchard, merci. Donc, Monsieur le maire, juste pour préciser, nous sommes à l'adoption finale, comme vous venez de le préciser. Donc, manquera tout simplement l'approbation de la MRC là, sur ce règlement de modification. D'accord. Item 39, adoption cette fois du règlement 13-857, modifiant le règlement de zonage 03-600 en vue de modifier diverses dispositions applicables à la zone 147-CV. J'insiste encore pour que vous me signifiez d'avoir pris connaissance du projet de règlement. Vous avez fait la lecture, vous l'avez fait. Vous avez renoncé à la lecture. Vous êtes d'accord? Alors, une proposition, Mme Boudreau, M. Paradis. Encore une fois, les mêmes explications, la même précision. C'est l'adoption finale. Reste à recevoir l'approbation de la MRC sur ce projet de modification de règlement de zonage. Qui suivra son cours? Oui, suivra son cours, effectivement. Alors, item 40, avis de motion. Aucun avis de motion? Non, rien enregistré seulement à cette époque. Période de questions, item 41, la salle.
Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Moi, c'est juste pour donner une continuité à ce qui s'est marqué ici, là, que la Ville devait réaliser une expertise. Les propositions de l'offre de services pour la révision du secteur seront soumises par le Conseil imminemment. Ce qu'on avait déjà jasé, oui. Ça a-tu commencé? Oui, oui, c'est fait. Monsieur Ménard nous a confirmé qu'il va vous consulter au cours des prochains jours. On va procéder au cours des prochaines semaines. OK, merci. Puis après ça? Parce que l'appel d'offres est reçu, mais on va préciser certains aspects pour vérifier l'éboulement, M. Ménard. Oui, c'est ça. En fait, juste pour compléter, dans l'appel d'offres, il y avait des frais inhérents aux travaux d'hiver. Et il y avait des difficultés du fait que le constat du terrain, de la stabilité du terrain, n'était pas facile. Ça serait probablement reporté au printemps. Mais j'ai reçu l'appel d'offres, puis je vais vous communiquer avec vous le détail là, des travaux à faire. Merci bien. Puis aussi, la zone 147 qu'on parle, là, jusqu'à la rue Saint-Anne. Moi, je reste quasiment en face de la rue Saint-Anne. Ça comprend-tu, moi, ici? Ou bien, on s'arrête avant d'arriver à la rue Saint-Anne ou Saint-Anne inclusivement? Non, ça comprend, Saint-Anne. Saint-Anne est la limite et la frontière. Ouais. Saint-Anne est la frontière. Et la frontière. Mais la rue... Moi, t'es de l'autre côté. T'es de l'autre côté. C'est de l'autre côté, vers Robertval. Oui. Autrement dit, j'en ai une partie chez nous. Non, il n'est pas touché. Non, il n'est pas touché. T'es pas touché. Oui, parce que moi, quand j'étais dans ma cuisine, en train, j'ai arrêté. Oui, mais t'es pas touché. Non, la zone, là, c'est pas... C'est l'axe de Saint-Anne. C'est à 20. C'est l'axe de Saint-Anne qui fait la séparation. OK. Fait que là, t'es prêt. T'es pas touché. Je vous remercie beaucoup. M. Gagnon. Oui, rien pour la pétition. Voulez-vous vous nommer? Oui. Mon nom, c'est Cyril Nau. Cyril, oui. J'étais avec Jean Wallet, après ça, Romain-Marie Bellaré. C'est lui qui avait fait signer la pétition en 2000. Puis depuis la fusion, là, on ne sait pas ce qui se passe. En regardant tout, on n'a rien. Ça fait qu'on voudrait avoir des explications de ça. Puis là, j'ai fait signer une pétition, moi, puis vous en amenez une, que le maire Côté, à ce temps-là, avait promis de nous graveler le chemin après la caduque passée. Puis on n'a rien eu de ça, là. Puis on ne sait pas quel entente qu'il y a eu, là. Il n'y a pas de possibilité de voir c'est qui s'est passé. Puis tout ça, là. Vous étiez supposé de prendre des notes de ça? Oui, oui, j'ai tout pris des notes de ça. Puis je vous l'ai dit, on a passé le gaz naturel dans le chemin de la pointe. Ouais. On a pris des ententes. Pour le printemps, ça va être remis en état, comme je vous l'ai dit. Oui. Mais là, si ça continue, on ne passera pas ce printemps, là. Parce qu'il est en fait tout acheté ça dans le gravel, dans le fossé. Avec sa gratte, là, il passe, puis l'aile, pareil, puis il t'envoie ça à terre, puis là, c'est tout de même plein d'infos. Fait que là, vous allez être obligé de bouger. On va en remettre d'eau. On va en remettre du nœud. Ouais. Parce que là, ça fait 17 ans qu'on est fusionnés. Les reins sont bouchés pareil à chaque printemps. Puis là, vous allez être obligé de boucher rang 2 nord, là. Chemin de la pointe, là. Parce que là, on n'aura plus rien, là, pour passer. Parce que là, On va vous garder le chemin en état, inquiétez-vous pas. On vous l'a promis, il était carrossable, plus que carrossable. Il va revenir comme il était. Parce que vous êtes venu voir, vous avez vu comment ce qui s'est arrivé là. Oui, oui, je suis allé voir. Quelle cochonnerie qu'ils ont faite. Oui. Ils ont mal travaillé, puis on l'admet. Ils ont trop fait des services techniques. Tout est resté là-dessus, là. Oui. La vlée était faite. La vlée était faite. C'est tout rendu d'un faussaire. Puis les faussaires, ils sont pleins d'eau. Les coulisses, les décors ne sont même pas creusés, ils ne sont pas nettoyés. Fait que là, ça ne va pas. Puis le chemin est déjà bas. Ça fait que c'est pas ça qu'on est toujours dans le bois. C'est ça. Puis le gré, là, quand il vient, là, des fois, il revient à première maison, puis il retourne à Saint-Lucien. Ça fait qu'il fait la grande route. Et si, quand il sera rendu dans le chemin, pourquoi qu'il ne grattera pas tout de suite, là, ça arrive jusqu'à l'autre bout? Et après ça, ça fait trois fois qu'on manque d'eau là, depuis le mois d'octobre. Puis il n'y a pas personne qui avertit sa radio, nous dire qu'ils vont couper l'eau dans tout à l'heure. On attend après rien. On n'est pas regardé comme la fusion en 96. Là. Puis il y avait une pétition signée en 2000. Puis on n'a rien eu. Le maire Leboeuf a signé ça. Bertrand Boutin a signé ça. Puis Bernard Veillancourt a signé ça aussi. Puis on n'a pas eu rien de ça, là. Ça fait que là, on commence à avoir notre voyage, là. Ça fait 17 ans là, qu'on est fusionné. Ça paraît pas, là. On est un rein dépannage, nous autres. Passe le tuyau, passe le fil de téléphone, puis passe la caduc. Puis on reste en boîte. Quand tu fais beau, ben là, on a de la poussière. Cette année, ça va être du bassin pour la poussière. Parce qu'ils ont mis du calcium. Calcium en flocon, c'est plus efficace. Les autres années, ils mettent de l'eau. Ah oui, oui. Ils allaient dans une soumission plus basse, puis ils mettent de l'eau.
Parce que là, c'est, vous n'avez-tu pris connaissance? Oui, 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 je l'ai lu ligne par ligne. Ben là, il faudra la faire signer, celle-là. Oui, oui. Montre au monde que je suis venu ici. Ah non, mais on l'a reçu, puis regardez, on prend bonne note, puis on dépose là, puis on prend une note de votre présence, puis vous êtes au procès-verbal. Ça a 2000, avez-vous regardé, là, oui, 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 ce oui. qui était écrit ah, dessus? Oui, 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 il était écrit, mais ça, on peut exprimer des souhaits, mais dans le temps, si le conseil ne l'avait pas réglé, il ne l'avait pas avancé. Oui, mais hein? Pourquoi qu'ils n'ont pas signé? Ah, ben là, on n'était pas là, hein, oui, à l'époque. Vous n'étiez pas là, oui, mais de l'autre côté, ah, il y avait tout le promisseur, puis il ne l'a pas fait. Ah. Et des policiers, des fois, ça promet, puis ça remplit pas toujours ses promesses, c'est. Ouais. Ah, on va essayer, nous autres, on s'engage là, pas trop, rien qu'un peu. Mais on a prévu de le remettre en état avec le passage du gaz, là. Ouais. Je vous l'ai dit, ils vont recharger, on a pris des ententes formelles avec Gaz Métro. Ouais. Vous allez voir, on va vous faire amener à vos printemps. Parce que Gaz Métro, là, ils nous ont dit, on va en mettre comme ça. Puis les formans, là, je lui ai parlé, moi, tout le temps. Les formans, nous ont dit, on n'est pas au courant qu'ils vont mettre de la gravelle, là. C'est... Ah, ben, nous autres, on est au courant. C'est qu'on va le faire. Oh, oui, c'est prévu. C'est prévu. Vous avez déjà signé? Oh, oui. Oh, oui, c'est prévu. D'ailleurs, il y a eu un mandat qui a été donné au laboratoire LVM pour la remise en état, justement, de cette route-là. Ouais. À tout le moins, aussi bonne qu'elle était à l'avant, au choix supérieur, là. Puis il y a eu des échantillonnages, il va y avoir aussi des échantillonnages. Il n'y a pas un votre bout qui ont brisé, ils ont brisé le chemin des lignes, c'est pas mal. Les deux font partie du même mandat. Fait qu'inquiétez-vous pas, là, on vous suit ça. Ouais. Oui, oui, oui. C'est garanti? Ah oui. Alors, donnez sa feuille, mais j'en ai une, je l'ai une copie, madame. Oui, oui, j'en avais donné une. Et prends son nom, à quelle date il est venu, puis qu'il est venu nous parler. Puis moi, on est venu le rencontrer, monsieur le maire. Vous ne voulez pas la déposer officiellement, monsieur? Non, il m'en avait déposé une en gardienne, c'est sa copie. Oui, j'en ai une. Oui, il y en a une, j'en ai donné une, de l'an 2000 aussi. Oui. Il a été signé en plus par recette, là. Ça l'a 2000, on l'a là. Là. C'est lui qui l'a passé, il l'a passé. Je vais la consigner au procès verbal comme quoi vous l'avez déposé. Oui, mais tu signes, là? Non, je ne l'ai pas signé, mais je vais le consigner dans le procès-verbal. On va le marquer au procès-verbal que vous avez passé, puis vous en avez fait état. Ouais. C'est aussi bon, c'est meilleur. Monsieur, c'est aussi bon? Oui, oui, oui. Vous ne pourriez pas mettre pas le mot. Non, 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 c'est aussi bon, c'est meilleur. On ne marche pas de même parce que... Ouais, faut... officiel, ça va être dans le ville, David. C'est correct. Non, c'est correct, ça. D'autres questions de la salle? Bonsoir, monsieur le maire, mesdames, messieurs. Je viens vous parler d'une question de sécurité. Quand on arrive sur le boulevard Sacré-Cœur en direction du centre-ville, puis qu'on est en face de McDo, une petite pancarte, tout petite, est tellement petite que la plupart du monde ne la voit pas. Ceux qui veulent aller tout droit ou à droite, il y a une flèche, droite ou virage à droite, pour se placer dans la voie de droite. La voie du centre, c'est uniquement pour ceux qui prennent le pont. Mais il arrive fréquemment qu'on est à droite, puis il y a une voiture à côté de nous autres qui est en plein centre et qui se dirige tout droit vers le boulevard Sacré-Cœur, qui ne tourne pas vers le pont. Alors, il n'y a pas deux voies là, pour s'engager sur le boulevard Sacré-Cœur, il y en a juste une, mais il y a deux voitures qui s'engagent en même temps. La petite pancarte est tellement petite, là, je pense qu'il y aurait lieu de l'améliorer, peut-être d'en mettre en haut, au niveau des feux de circulation, parce que l'hiver, il n'y a pas de traces sur l'asphalte pour indiquer. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait un accident dans ce coin-là. Là. Il y en a déjà eu. Puis il y en a peut-être déjà eu, oui. Mais ce n'est pas signalé. Je l'ai regardé tantôt en m'en venant. Là. Mm-hmm. C'est grand comme rien. C'est dans le sport. On va l'acheminer au ministère. C'est le ministère des Transports. C'est le ministère des Transports qui gère ça. Responsable, c'est l'intersection. Mais on va faire le suivi, madame, auprès du ministère pour signaler. En fait, que les panneaux ne sont pas assez grands, pas assez visibles, on va le mentionner. Mais non, aucune visibilité. C'est noir, les flèches sont blanches. C'est même pas noir sur blanc. Mm-hmm. Ensuite, les feux verts clignotants, là, je l'ai déjà demandé, je leur demande encore. Quand on arrive du pont, il y a un feu vert qui est protégé, là, tourné vers le boulevard Sacré-Cœur. Au même moment où on peut tourner d'un sens, pourquoi qu'on ne pourrait pas tourner dans l'autre quand on arrive du centre d'achat? Synchroniser les deux virages en même temps. Il me semble que le ministère des Transports, ils n'ont pas besoin de faire une étude à chaque fois qu'il y a un petit changement à faire. On dirait qu'ils veulent justifier leur salaire là, en faisant des études puis des études. Ils ont juste à fonctionner puis à agir.
Mais là, ça fait juste des études. Là. Si vous me permettez, monsieur. Oui. Lors de votre première intervention, on avait signalé ça au ministère. Oui. On avait eu un accusé réception qui était en train d'analyser ça. Malheureusement, je vous réponds ce qu'on a eu comme réponse. Et encore, la pire des choses, c'est évidemment, ce n'est pas les gens de la région qui le font, c'est Québec qui le font. Oui. Fait que c'est pour ça que les délais sont très longs, je vous dirais trop longs. On a demandé les trois intersections. On a demandé l'intersection Sacré-Cœur, on a demandé l'autre bord de la rivière, puis on a demandé celle-là aussi durant Saint-Eusèbe en même temps, les virages à gauche, protection de virages à gauche. On va les relancer là-dessus, mais c'est sûr qu'il y a des délais très longs à ce niveau-là. Qui n'attendent pas qu'il y ait des accidents. Il me semble que ça serait facile de simplifier la vie de tout le monde et de rendre ça sécuritaire. On va leur demander. Il y a des dossiers que ça fait 20 ans qu'on demande et qui n'ont pas bougé. Mais c'est leur responsabilité. C'est leur responsabilité. Dès qu'on les servait au régional, c'est à eux autres. Mais ils ont des standards, des normes. M. Ménard m'a incité, écoutez, faites la version encore récente, puis incité. L'afficheur, au moins, ça ne coûte pas de fortune. Puis c'est la sécurité active. Ben oui. C'est ça. Bien, je vous remercie. OK, merci, Mme Lavoie. Merci. Oui. D'autres questions? La presse? Non, ça va. Alors, l'intervention des membres du conseil, 42. M. Bouchard, on va commencer par vous. Moi, j'inviterais toute la population, M. Le Maire, à aller voir le film « La fille du Martin » qui a été réalisé par les frères Thivierge. Je suis allé le voir vendredi, puis j'ai été agréablement surpris. Vous allez voir, c'est pour les gens qui vont y aller, si vous y allez, vous allez voir qu'on a du talent dans l'eau du lac, puis c'est vraiment un bon film. Allez voir ça, ils n'ont rien à envier à personne au niveau des films. Allez voir ça, c'est très bon. Merci. C'est moi, ben. Oui, une invitation à la population pour la semaine prochaine. C'est le tournoi Pee-Wee Bantam provincial ici à l'Arena. Alors, j'invite la population en grand nombre à venir encourager nos équipes locales et ceux de l'extérieur également, mais avec l'équipe de bénévoles qui sont là toute la semaine. Je pense que c'est le fun de voir les citoyens venir nous encourager. Alors, la semaine prochaine, tournoi Pee-Wee Bantam Saint-Félicien. Alors, bonne semaine à tous. C'est bien, ben. Bonne année. Bonne année 2014 à tout le monde. T'sais. Je commence de même, mais la fille du Martin aussi, je suis allé le voir. Je siège sur le CLD Domaine du Roi qui avait de l'argent là-dedans. Puis la ville de Saint-Félicien aussi a contribué. Puis je pense que c'est une belle image que ça peut donner aussi la ville de Saint-Félicien, une belle répercussion à la grandeur de la province. Puis j'ai trouvé le film aussi excellent. Par là-dessus, je n'ai pas d'autre chose à dire aujourd'hui. Merci bien. C'est Guyvonne? Ben moi, pas grand-chose. Ça a été dit, ça fait que je ne répéterai pas. Bon, vous pouvez le dire autrement. Ben oui. Moi aussi, j'ai assisté au film. Moi, je dirais plutôt merci à la population d'avoir dit présent. Je pense que c'était les deux salles étaient pleines. C'est plaisant de faire une activité à Saint-Lucien et que la population est présente. Ça encourage à faire d'autres activités. En parlant d'autres activités, M. Boivin a parlé du hockey. Ça serait présent, ça serait plaisant et agréable de vous voir à l'aréna. Il y en a peut-être, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été. D'encourager nos jeunes, d'encourager nos bénévoles. Je l'ai dit autrement. Parfait. C'était beau, par exemple. Bonne semaine. Merci, M. Guibon. Madame Boudreau. Autrement, il y a un bel acteur dedans que je trouvais mignon. Ah. Également, les trames sonores. J'ai trouvé la musique, vous êtes venu me chercher, de quoi c'est un bon film en soi. Pour faire autrement, demain, il y a une collecte de sang sur le territoire, donc j'invite la population, tous les gens qui sont en santé, d'aller faire un don de sang, c'est un don de vie. Également, le comité pour les Jeux olympiques, Mme Marianne Saint-Gelais, me mentionnait aujourd'hui qu'il lui reste encore quelques centaines de chandails à vendre pour encourager Marianne Saint-Gelais pour les Jeux olympiques. Donc, au coût de 15 $, ce n'est pas dispendieux. C'est un T-shirt qui peut être utilisé tous les jours, mais qui va permettre aussi là, à une athlète de Félicie Noire de se faire valoir aux Jeux olympiques de Sochi. Donc, ce n'est pas toutes les années qu'on peut avoir quelqu'un sur notre territoire. Donc, s'il y a encore des gens qui n'ont pas acheté le chandail, il va être ici en vente au bureau en bas, ici, à l'entrée, au premier étage, à partir de cette semaine. Ceux qui ne sont pas encore procurés. Donc, j'invite la population à l'acheter au coût de 15 $. Sur ça, je souhaite une bonne année et de la santé à tous.
et au plaisir de se revoir. C'est Mme Boudreau, M. Paradis. Bien sûr, une bonne année avec la santé. C'est le principal. Avec la grosse année qui s'en vient, juste réitérer qu'on va mettre le temps, tout ce qu'il faut pour réussir, réitérer mes disponibilités à tous pour les projets, questionnements. Après ça, bien sûr, dire des félicitations aux frères Thivierge et à toute la famille qui nous ont donné une très belle visibilité de la ville, de notre secteur, de la région. Je pense que c'est un très beau projet qui démontre encore une fois, comme vous l'avez mentionné, qu'il y a du potentiel, puis c'est le fun de le voir. Tout simplement. Fait que je vous souhaite une bonne semaine. Merci, M. Paradis. Alors, moi, deux petits points, m'a précisé un peu plus dans le rendez-vous olympique qu'on a tous relevé ensemble la semaine dernière. Il y a un aspect qu'il faut mentionner. Je pense que il y a toute la démarche un peu psychologique derrière ça, qui est de passer de l'énergie à Marianne. Alors, on est en début de l'année, on prend les bonnes résolutions. Moi, le premier, j'ai commencé à en prendre. Je ne sais pas si vous êtes capable de suivre. Au moins 30 jours, j'ai commencé à faire un peu de conditionnement physique en forme. Puis ça, ça doit contribuer normalement à aider Marianne. Alors, si chacun faisait de même, là, apparemment qu'il reste de quoi. Il y a un potentiel d'énergie qui peut être récupéré, au moins ressenti par celui-là qui s'engage. Alors, je pense que l'activité était originale de la part du service de loisirs en soutien à Marianne. Alors, pensons-y, enregistrons-nous. On a le site Facebook de la Ville qui reçoit nos inscriptions. Alors, ça peut être intéressant, ça. Puis, c'est original, en tout cas, comme démarche. Également, un autre dossier qui est en suspens, là, puis qu'on vous demanderait un peu de patience, puis même un peu de prudence. On parle du village sur glace, M. Ménard. On le sait que la glace n'a pas atteint les standards sécuritaires, là, qui vont nous permettre de donner l'autorisation. Alors, si ça se maintient dans les conditions qu'on vit là, je pense que ça va être difficile à obtenir. Alors, soyez patients, on a jusqu'au 25 janvier. Si jamais les standards de sécurité ne sont pas atteints, ça peut compromettre la tenue du village. Alors, il va falloir qu'il y ait un revirement de température parce qu'il y a des normes, puis c'est la municipalité qui est responsable. On paye pour ça. On ne veut pas mettre la sécurité de personne en cause, surtout qu'on a des travaux de part et d'autre d'entreprise. Alors, suivez ça de près. Là, on vous tiendra au courant. On fait nos relevés à toutes les semaines, puis on va vous tenir au courant de l'évolution. Alors, sur ça, écoutez, comme tous les membres du Conseil, une bonne année 2014, encore là, une grosse année pour Saint-Félicien, vous l'avez vu, au budget. On a fait des efforts des deux bords, plus de projets, pas trop de taxes, que c'était quasiment un défi insurmontable, on va essayer de le réaliser quand même. Mais votre Conseil a le bien commun à cœur, le souci de l'emploi, fait que mettez tout ça avec une prudence financière dans nos budgets. Alors, on va essayer de maintenir, en tout cas, les performances des dernières années pour vous donner le meilleur service possible au meilleur coût, mais tout en essayant de conserver des perspectives de développement intéressantes pour Saint-Félicien. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne année et puis revenez-nous à la prochaine séance du Conseil. Merci tout le monde. Alors, une proposition pour la levée de l'Assemblée, M. Paradis, Mme Boudreau. Merci. Merci tout le monde.